Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous partons à l'école, il est, je sais même pas quelle heure il est en fait, il doit être 8h30 peut-être, entre 25 et 30. Oh, ça se chamaille derrière moi. Ce matin ils étaient un petit peu en train de regarder la télé, il y avait un petit peu de temps donc je les ai laissés faire. Là on part, alors la découverte du jour, tiens. La découverte du jour, c'est que Marceau n'a pas de doudoune. Je l'ai gardé dans les vêtements d'Adam, en fait, que je garde, qui sont trop petits. Une doudoune en taille 2 ans. Et je pensais que, voilà, Marceau étant petit, je me suis dit, bon, 2 ans, il va rentrer dedans. Parce que la doudoune est un peu grande. Sauf qu'en fait, elle est beaucoup trop grande. Donc ce matin, il faut que j'aille lui acheter une doudoune. Parce que sinon, il n'a pas de manteau. Et là, il commence sérieusement à faire frais. Vous voyez, Adam, il a mis la sienne et il n'a pas trop chaud. Donc c'est ça, il faut que j'aille à l'assurance, il faut que j'aille faire des courses. Ce matin, ça va être encore une matinée active. Bon, il est 16h50 et je suis devant la Péri. J'attends les enfants parce que eux-mêmes n'y sont pas encore arrivés. En fait, je savais pas trop à quelle heure j'avais terminé aujourd'hui. Donc du coup, je les avais inscrits par précaution. Et il s'avère que voilà, 16h50, heureusement que je les avais inscrits. Sauf que bon, du coup, ils sont pas encore arrivés, mais je les ai vus en fait sur la route. Ils arrivaient justement, donc je les ai vus passer, comme donner la main à Marceau, ils étaient trop mignons à marcher ensemble, enfin, voilà. Donc bon, bah, très bonne journée aujourd'hui, cet après-midi on a travaillé sur l'entretien, j'étais pas hyper à l'aise, mais bon, puis visiblement je me présente pas super bien, donc il y a du taf. Je dois faire le point sur mes qualités et mes défauts là ce week-end, pour les mettre en avant et savoir les défendre. Ça va pas être une mince affaire, donc bon, on verra ça, on va voir comment ça va se passer. Donc là, j'attends les enfants qui vont arriver, les gars surtout, parce que Elsa, elle ne rentre qu'à presque 18h, et puis on va rentrer à la maison, prendre le goûter, moi je vais faire un peu de ménage, parce que j'ai du monde ce soir, et puis demain aussi d'ailleurs. Et puis, je pense qu'on fera les leçons demain matin parce que, bah, du coup, je préfère je préfère me concentrer sur mon ménage plutôt que sur les devoirs. Puis, je pense que les enfants vont préférer les faire demain. Là, ils vont rentrer, ils vont vouloir souffler, donc ça leur fera du bien. Voilà. Donc, je vous reprendrai un peu plus tard dans la soirée, je pense. Je ne sais même pas. Mais au pire des cas, je clôturerai demain matin, si vraiment j'ai pas le temps, mais je vais essayer quand même de vous reprendre après. Et puis voilà, bah, aujourd'hui, rien de bien spécial. Si, ce matin, j'avais plein de trucs à faire. Fallait que je ramène les papiers de l'assurance du scooter d'Anaïs chez l'assureur, puisque du coup, il me les avait envoyés pour que je les signe, donc je les ai déposés. Je suis allée à la poste pour valider l'ouverture d'un livret A pour Elsa, puisque en fait elle a eu de l'argent qu'elle aurait voulu mettre sur un livret, sauf que mon interdiction bancaire m'empêche d'ouvrir un livret A. Je trouve que ça va très loin, je n'en reviens pas, mais c'est comme ça. Donc ma puce n'aura pas de livret A, donc je vais lui mettre son argent soit dans une enveloppe, soit elle le dépensera, je ne sais pas comment on va gérer ça. Et puis, j'avais des courses à faire, donc je suis allée faire des courses et j'ai trouvé une doudoune pour Marceau. Donc je suis très contente, je vous montrerai ça dès que je pourrai. Je vais vous laisser parce que je les vois arriver. Je sais pas si je peux les filmer. Ouais, je sais pas si vous allez les voir, mais ils sont là-bas. Le tout petit devant, c'est Marceau. Bon, je vous reprends, il est 21h05. Je pense que nous allons aller nous coucher. Tout le monde est fatigué, moi y compris. J'ai beaucoup de mal ce soir, c'est compliqué. Oui, je me suis démaquillée les sourcils alors. Comment vous dire, je me suis achetée chez Nocibé un kit sourcils, c'est-à-dire avec des pochoirs pour redonner une vraie forme à mes sourcils et du coup les faire d'une épaisseur correcte et de façon symétrique, etc. Sauf que... ben, en fait, les formes ne correspondent pas du tout aux miens. Donc, je me dis, à moins de d'épiler les miens, en fait, et du coup, de dessiner à la forme du pochoir,
et du coup d'épiler ce qui me reste moi le temps que ça repousse comme dans le pochoir, à condition que ça repousse, je vois pas comment je pourrais faire. Donc j'ai pour l'instant pas trop trouvé la solution, mais bon, j'ai fait un test, clairement l'épaisseur du sourcil effectivement me convient mieux, mais bon. Elsa trouve ça trop beau, Anaïs me dit ouais, je sais pas, c'est moyen. Donc bon, je referai un essai demain. Je me poserai, enfin demain ou peut-être même dimanche, je sais pas. Je me poserai pour prendre le temps de faire des essais, mais ouais, c'est un peu laborieux pour l'instant. Bref, bon, au pire, je vais aller avec ma palette, chez Nocibé, je vais leur demander de me montrer, tout simplement. Et puis, bah, du coup, ce soir, on a mangé des gaufres. Des pancakes. Ouais, alors, non, j'explique. Des gaufres, alors ça, c'était la recette. Des gaufres épinards comtés. Ouais, c'est... Au final, mon appareil à gaufres, je pense qu'il est mort. Donc, nous n'avons pas pu faire de gaufres. Et donc, du coup, j'ai fait des pancakes à la place. Et j'ai fait cuire la pâte tout bêtement dans une poêle. Pourquoi tu n'as pas de pyjama? Bah, j'ai pas envie parce que j'ai froid. Bah, justement, si t'as froid, tu mets un pyjama. Ah, t'as de l'ol. Bah, non, j'ai chaud. Ah, non, ça m'étonnerait que t'es chaud là, vu le temps qu'il fait. Bah, j'ai chaud. Non, je suis pétasse numéro 1. On n'a pas envie de voir ton ventre. Arrête, moi. Gros bidon. Donc, on a mangé des pancakes, du coup. Épinards comtés, franchement, c'était trop bon. Mais vraiment trop bon. Moi, je n'aime pas les épinards. Bah, honnêtement, là, ça passait crème, comme disent les jeunes. Passait crème. Est-ce que je peux dormir tout de suite chez toi? Non, je ne peux pas dormir avec moi. C'était que hier soir, je te l'avais dit. Mais arrête pas mon oreiller. J'ai pas envie que t'enlèves pas mon oreiller. Bah, ton oreiller, je vais te le remettre dans ton lit. Non. Hier, donc pour vous, le vlog que j'ai mis en ligne ce matin, c'était hyper brouillon. Enfin, c'était un peu... J'ai été dérangée, enfin, du coup, je raconte un truc, après je passe sur autre chose et je reviens sur mon truc après. J'ai vu les commentaires, en fait, et je me suis dit, ah bon, bah, qu'est-ce qui se passait de spécial? Donc, du coup, je l'ai re-regardé, et effectivement, ouais, c'était un peu le fouillis. Hein. Bref. On va essayer de faire mieux aujourd'hui, un peu plus structuré, même si j'avoue, pour le moment, déjà, c'était pas très structuré. Donc ce soir j'ai récupéré les enfants, on est rentré à la maison, ils ont pris le goûter, moi j'ai fait du ménage, après bah, les sœurs missionnaires sont arrivées, on a fait l'enseignement, on a mangé, on a fait puis là, aussi. Oui, on a et là bah, on s'en va au lit. En fait, tout le monde va aller se coucher là. Moi, je suis fatiguée. Donc bah, là, on va aller se coucher parce que vraiment, ce nouveau rythme-là, cette semaine, c'était dur, dur. Je me dis, le jour où je vais vraiment reprendre à temps plein, ça va être raide, je pense. Donc là, je me dis, il est que 21h et je suis déjà HS. Mais bon, demain matin, on a la chance de pas se lever. Excusez-moi, c'est horrible. Demain matin, on a la chance de pas se lever pour aller bosser. Donc, on va prendre le temps de se reposer, je l'espère en tout cas. Du coup, hier, dans le vlog que j'ai publié du coup ce matin, donc pour vous c'était hier, pour moi aussi d'ailleurs c'était hier, et en fait j'expliquais que la veille on avait passé une soirée mouvementée, etc. Et donc du coup, Adam avait dormi avec moi et donc j'avais dit aux enfants, vous pourrez chacun votre tour dormir avec moi. Donc hier soir c'était Marceau. Et Com et Elsa auront leur tour aussi. Donc, ouais. Donc voilà. Bon, je vais devoir monter parce que j'entends l'agitation là-haut. Ils sont absolument pas en train de se mettre en pyjama. Et elles ont 2 heures pas. Donc, tu t'attendais à quoi? Donc voilà, Anaïs s'énerve, donc je vais monter. Donc les amis, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que cette journée avec nous vous a plu.
Demain, nouveau vlog, nouvelle journée. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vlogger demain puisque on a de la famille. On a de la famille qui vient à la maison et du coup, je ne pense pas que je vais vlogger avec eux. Sauf si tu leur demandes. Je demanderai à Héloïse éventuellement si je filme ce que vous allez préparer, mais je ne pense pas. Bon, je vais monter les amis parce que ça craint du boudin là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. À demain, bisous. Mouah.